Et salut à tous, c'est Furu, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Saint Seiya Awakening KOTZ, vidéo où l'on va regarder quelques matchs de GD. Alors, pour ceux qui n'étaient pas là dimanche, c'est-à-dire quasiment tout le monde, cette semaine je vais prendre ça relax en termes de GD parce que ça a été compliqué dimanche. Hein. Je vais pas vous mentir, voilà. Là, en gros, c'est les matchs de dimanche. Les deux seules victoires ont été contre des bots. Sinon, je me suis fait refaire les fesses. Donc, le live a été assez court. Et on est parti sur un autre jeu. Voilà. Donc, cette semaine, j'ai décidé de prendre ça un peu relax. Et voilà. Mais, du coup, ça m'a permis de revenir sur des matchs de GD que j'avais fait plus tôt. Que je n'avais pas pu vous montrer parce que bah, tout simplement il ne rentrait pas dans les thématiques du personnage que j'allais vous sortir en GD avec la petite histoire comme on a fait. Chose qui n'a pas l'air d'avoir excessivement plu. Mais du coup, là j'ai pu revenir sur des matchs que j'ai trouvé intéressants. Et donc on est parti, je vais vous montrer ça. Alors, on va sélectionner le petit match, et vous voyez, ça a été à la limite, hein. Heureusement que je me suis arrêté là dimanche. Et pourquoi j'ai sélectionné ce match-là? Eh bien, parce que c'est une des rares fois où je n'ai pas ban Aphrodite GC, et où j'ai battu Aphrodite GC. La plupart du temps, je le ban parce que c'est un perso qui est vraiment trop fort. Mais j'ai réussi à me le faire là et globalement ça a été une erreur de la personne qui l'a joué parce que normalement je n'aurais jamais pu le tuer. Donc mon équipe hein, c'est une équipe standard mais avec de la tankiness et surtout un Albafika également qui je sais que même s'il meurt il va revenir à la vie. Ce qui peut changer nettement la donne. Donc là bah voilà. Je me dis, ah, il manque une petite lame à Elcid pour que le Albafika meure. Malheureusement, enfin le Albafika, le Aphrodite GC meure. Malheureusement, ça n'a pas marché. Et donc, bah, je vais devoir me taper l'attaque de Aphrodite. Et là, je me suis dit, bon, bah, rip le match. Hein. Rip le match. Et là, oh, oh, et plus d'Aphrodite. Donc c'est passé un chouïa, parce que si Aphrodite lançait son attaque, j'étais mort. Hein. Ah. Mais là, j'ai réussi à m'en sortir, ce qui change totalement la donne. Parce que là, en gros, la plus grosse menace de sa team est morte. Et maintenant, la dernière menace qui me reste, grosso modo, à gérer au mieux, eh bien, c'est le Thanato. Mais je sais qu'il a probablement mis... sur sa Saori le reste sur Thanatos parce que justement danger hein, c'est que s'il a plus Thana après derrière il n'a plus vraiment de DPS donc bah malheureusement je vais devoir régler le cas de la Saori avant de régler le cas du Thanatos. Bon Elcid toujours pas arrangé hein, on est toujours sur un personnage qui quand il se prend les passifs n'a plus de décon, enfin n'a plus son shield. Enfin, il a son shield, mais les passifs, en gros, décomptent quand même du shield, ce qui n'est pas normal. Hein. Normalement, sur la chinoise, ça a été corrigé, ça. Mais bon, là, c'est toujours le cas. Donc, bah, faut faire avec. Ça rend Elcid beaucoup moins puissant que ce qui n'est actuellement sur la chinoise. Mais malheureusement, eh bien, il sait comme ça. Et on n'a pas le choix. Tant que GT Arcade n'aura pas fait le changement, eh bien, on va devoir assumer le Elcid comme ça. Bon... se méfier, hein, Manigoldo, ça fait mal. L'utilisant, je sais que ça peut faire très très mal, Manigoldo. Le truc, c'est que là, mon Albafika n'est toujours pas mort. Et finalement, bah, son Manigoldo, il n'a pas fait super mal. Et en plus, il s'est pris directement le contre de Albafika. Parce que là, lui, il est mort, il lui restait trop peu de vie. Et du coup, bah, il a Bobo, exécution de la Athéna. Et là, bah, c'est... ni hein. Aujourd'hui qui va pas tuer Albafika et Thanatos avec un Shun Hadès hein. D'accord.
Donc voilà, une victoire avec le Aphrodite GC en face, qui est passé, on va pas se mentir, à un poil de fesses. Si jamais le Tana avait pas fait son AOE à cause du Manigoldo et n'avait pas tué le Aphrodite GC, le match aurait eu une toute autre tournure. Mais ça s'est passé comme ça et j'étais bien content de battre un Aphrodite GC. Passons maintenant à un match avec quelqu'un dont le nom va vous rappeler quelque chose. Toki Poupou, oui, vous savez, celui qui sortait des équipes un peu différentes de ce qu'on voit d'habitude. Bon, encore une fois, on n'est pas sur quelque chose qu'on voit trop actuellement, même si, bon, la plupart des persos, on les voit tout de même, notamment le Saga Surpli. Mais bon, voilà, on a quand même une team qui sort un peu de l'ordinaire. Et moi, je vous ai mis ce match-là, surtout parce que j'ai sorti mon Kagao. C'est rare, j'arrive plus trop à le sortir, bien que je pense que si j'avais des optis qui me permettaient de jouer une team ultra rapide avec Kagao qui fait son AOE en dernier, genre avec un rune plus un Doko GC avant, et que tu balances la patate directement de ton Kagao, peut-être deux fois même, avec une Luna par exemple, je ne sais pas. Mais une équipe très très rapide, je sais qu'il y en a qui le jouent avec, Manigoldo, mais bon, voilà, je pense qu'un Kagao boosté au testostérone, ça peut aussi faire la job. Et là, je me prends la pomme d'or, la fameuse. D'habitude, c'est moi qui l'inflige le plus régulièrement à mes adversaires. Parce que c'est vrai que quand je croise des Eris, la plupart du temps, ce sont des Eris qui font des comètes. Voilà. Donc, je me prends très peu de pommes. Là, en revanche, il m'a bien mis la pomme, ce qui fait que mon Kagao m'a envoyé son attaque. C'est pas très cool. Donc on a réussi déjà à lui détruire un personnage et je savais que le fait que Kagao attaque en AOE, inflige de la brûlure, etc. ça fait aussi sauter les défenses de Shun Hadès. Et globalement je me doutais bien que à chaque tour maintenant, une fois que Elsie est lancée, j'allais lui tuer un personnage. Là globalement il ne reste que un danger potentiel qui est le Saga Surpli, parce que la Eris, une fois qu'elle va mourir, les comètes se lanceront pas. Hein. Donc je veux tuer ce Saga Surpli. Malheureusement, je me reprends la pomme d'or et le Kagao commence à me piquer sévèrement la tête au niveau de mon équipe. Donc là, je dis, bon, c'est bon, la tankiness, faut que ça saute. Et donc, je fais sauter le Shun Hadès, ce qui fait pop la comète de ma Eris. J'ai droit à un écran noir et je ne vois plus rien de ce qui se passe. C'est magnifique. Merci GT Arcade pour les travaux. Un jour, au bout de 5 ans, vous allez réussir à faire un jeu qui soit correct quand vous serez prêt, hein, peut-être avant qu'il ferme. Voilà. Je l'ai vécu comme ça. Hein. J'étais vraiment sur un écran noir. Et là, oh, Aphrodite. Ah ça y est, je vois ce qui s'est passé sur le terrain. Bon, du coup, on est parti, hein. Let's go, execution. Et finissage avec le petit Elsid des familles. Et ce qui m'a permis de gagner. Mais j'étais content de ressortir mon Kagao et de gagner un match. C'était plutôt cool. Ensuite, le dernier petit match de RVT, inconnu au bataillon, mais Toki Poupou, voilà, je le crois souvent, c'est plutôt cool. C'est globalement la team 1, enfin, des fois je change, mais j'aime bien cette team-là, parce qu'il y a du sustain, il y a du dégât, il y a de la tankiness, il y a tout, mais par contre, il n'y a pas de Shun Hadès. Et je ressens la différence de tankiness quand même quand il n'y a pas mon Shun Hadès. Sauf que je me dis qu'entre Manigoldo Kill plus mon Aldébaran GC, normalement c'est bon en termes de support, on a assez de personnes. Plus la Athéna qui mine de rien génère de l'énergie, hein, là pour ça.
Donc on a trois persos support, rajouter un Sean Hades là-dedans, même si Manigoldo, d'accord, il fait à la fois du dégât et du support, mais voilà. Donc je savais qu'il allait jouer du gel, d'où la présence de Manigoldo. À chaque fois que je vois une team qui tourne autour de gel, eh bien je sors Manigoldo. Je n'hésite même pas. Donc là, par contre, j'ai perdu beaucoup de vie, donc je balance la purée. Et ça fait mal. Ça fait très mal. Donc Manigoldo a anéanti la team en face. C'est un diamant. Hein. Il était largement au-dessus de moi. Moi, actuellement, je suis platine 3. Donc il était largement au-dessus de moi. Et pourtant, mon Manigoldo lui a atomisé la face. C'est là, franchement, une atomisation pure et simple de mon Manigoldo. Comme quoi, hein, des fois, c'est pas toujours utile de jouer son AOE avant de lancer la purée. Des fois, il faut lancer la purée directement. Là, en l'occurrence, je n'avais pas le choix. Ma vie était déjà très faible au moment où mon Manigoldo a joué. Et donc, j'ai dû lancer mon attaque pour surtout me healer, mais aussi faire d'énormes dégâts. Combiné à l'AOE de Thanatos, bah, les deux ont fait le taf. Et on voit également que le soin que Manigoldo a apporté n'est absolument pas négligeable. Donc même si j'avoue que c'est pas un perso top méta, je trouve que Manigoldo, il est toujours aussi fort et il n'a pas encore eu de RC. À voir quand il aura son RC, peut-être qu'on va avoir quelque chose de très intéressant sur ce personnage. J'ai bien hâte. Voilà, ce sera tout pour les matchs de GD. Je vous souhaite à tous de passer une excellente journée, soit à nuit, peu importe quand vous regarderez cette vidéo. Et je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures sur Senseiya Awakening KOTZ. Ciao tout le monde.